tous. Bienvenue dans cet atelier, ça s'appelle un atelier, je crois, intitulé « Redécouvrir Janosch Kornay ». Alors, je vous rappellerai, ou vous le savez sans doute, que Janosch Kornay disparaissait le 18 octobre 2021. C'était le plus célèbre économiste hongrois contemporain, de renommée internationale, qui a laissé une œuvre quantitativement importante. On ne saura pas lui rendre compte de tout aujourd'hui. Et analytiquement intéressante, ou d'autres diraient riche. Et donc cet atelier se situe dans le prolongement d'un hommage qui a été rendu à Kornay l'an dernier dans la revue Public Choice, que voici, auquel ont contribué au moins deux des panélistes, qui a été organisé par Merdad Vahabi, que vous voyez là-bas, au bout. Donc on va reparler de Kornay. On va commencer par parler du concept qui sans doute lui survivra le plus longtemps, qui se dit en anglais « soft budget constraint » ou en français on le traduit souvent par « contrainte budgétaire lâche ». Et s'est attelé à sa tâche, et je remercie tous les panélistes de s'être attelé à une tâche. Donc celui qui s'est attelé à la tâche de parler de la « soft budget constraint » est à ma droite immédiatement, c'est Philippe Aguillon, qu'on ne présente plus, mais je le présenterai quand même brièvement, en disant qu'il est professeur au Collège de France et à l'INSEAD. Et ce que vous êtes moins supposé savoir, c'est qu'il a été un ami de Kornay parce qu'il a enseigné pendant des années, simultanément, en même temps que Kornay, disons, à Harvard. Alors, nous aurons comme second orateur moi-même, donc moi je vais être bref, je suis un professeur honoraire, ce qui veut dire retraité de retraité de chez retraité, donc depuis très longtemps. Donc j'ai connu aussi Kornay, moins que Philippe, je pense. Voilà, mais j'ai beaucoup utilisé sa théorie. Moi, je vous parlerai de Kornay entre 1959 et 1989, de ce qu'il a fait à cette époque-là, et qui porte sur les mathématiques de la planification, mais je ne ferai pas de mathématiques, je vous rassure, et jusqu'aux théories du déséquilibre. Et ensuite, Kornay est devenu, sur la fin de ses jours, plus proche peut-être de Hayek et surtout des économistes institutionnalistes. Et donc, les deux derniers intervenants vont plutôt parler de cette période, si j'ai bien compris, puisque Merdad Vahabi, est professeur, alors j'ai retrouvé la bonne université, excusez-moi, je l'ai perdu entre-temps. Voilà, il est professeur à l'université qui s'appelle maintenant Sorbonne Paris-Nord. Il est directeur du CEPN, qui est un laboratoire de recherche connu, mais qui veut dire Centre d'économie de Paris-Nord. Et c'est lui qui a coordonné le numéro spécial de Public Choice que je vous ai présenté, à l'occasion duquel il a d'ailleurs organisé une sorte de débat entre Janosch Kornay et Amartya Sen, qui est un prix Nobel d'économie que vous connaissez sans doute. Et puis le dernier intervenant dans l'ordre des prises de parole sera Julien Vercueil. Alors Julien Vercueil est professeur de sciences économiques à l'INALCO, ou l'ANGSO si vous préférez. Il en est le vice-président de l'INALCO, c'est le spécialiste de la Russie dans cette institution, mais il a commis, entre autres choses, si je me souviens bien, un article qui est un commentaire du livre autobiographique de Kornay, et donc il a aussi une connaissance livresque approfondie de ce qu'a fait Kornay. Donc voilà, vous avez le menu, et sans plus attendre, donc, je passe la parole à Philippe et le micro. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici. Et c'est un moment de grande émotion parce qu'évidemment, Janosch était un ami très proche. La dernière fois que je l'avais vu, il y avait une conférence en son honneur et qui avait été organisée par Eric Maskin. Et à cette occasion, j'avais été déjeuner avec lui et son épouse à l'époque. C'était donc, c'était il y a peut-être 3-4 ans. Voilà, chez eux. Et il était déprimé parce qu'il voyait qu'évidemment il y avait une évolution du régime hongrois qui ne lui plaisait pas, évidemment.
Alors, mon premier contact avec Janosch, ça a été, enfin, lui m'avait pas remarqué, moi j'avais remarqué, j'étais étudiant à Paris dans le début des années 80, et il y avait des conférences au CEPREMAP ou à Paris 1, parce que ce qui était très en vogue à l'époque, c'est ce qu'on appelait la théorie du déséquilibre, les équilibres à prix fixe. Maintenant, c'est un truc dont on ne parle plus, ou je ne sais plus si on en parle encore, mais voilà. Et comme lui avait écrit un livre qui s'appelle Anti-Equilibrium, dont peut-être vous parlerez, il était dans cette conférence. Voilà. Donc ça a été un peu le premier contact, la première fois que je l'ai vu, mais lui, évidemment, moi, j'étais vraiment noyé dans la salle. Et ensuite, j'ai vraiment revu parce que il y a eu la chute du mur de Berlin et donc l'initiation de la transition dans les pays de l'Est. Et donc il y a eu un domaine qui s'est créé qui s'appelle l'économie de la transition. Et en fait, moi j'ai été mêlé à ça parce qu'il y a eu la création de la BERD à l'époque, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et j'étais parti avec l'équipe d'Attali. Et j'étais avec le chief économiste de l'époque, et en fait, on s'était dit, tiens, pourquoi on va faire quelque chose sur l'économie de la transition, penser l'économie de la transition. Mais vraiment, la personne dominante, c'était Janosch, c'est vraiment lui qui a créé ce domaine. Alors moi, j'avais cofondé un journal qui s'appelle Economics of Transition, qui maintenant a changé de nom, il s'appelle maintenant, je crois, Economics of Transition, Institutional Development, etc., et on avait avec Olivier Blanchard commencé à travailler, mais Gérard Roland, Mathias Devoy-Tripon, ça avait fait. Enfin, il y a eu toute une série de travaux où tu avais contribué, et donc il y a eu tout ce domaine de l'économie. Comment on passe d'une économie planifiée à une économie de marché, et comment on peut faire ça? Disons, à quelle vitesse il faut le faire, voilà, pour que ça ne déraille pas. Donc voilà, tous les problèmes que pose la transition. Est-ce qu'il faut être gradualiste ou y aller d'un coup? Sur quoi il faut aller très vite? Sur quoi il faut aller moins vite? Etc. Des débats sur la privatisation. Est-ce qu'il faut faire de la privatisation hyper rapide par les vouchers, par les coupons? Est-ce qu'il faut faire de la privatisation progressive? Est-ce qu'il faut un capitalisme grassroots, c'est-à-dire où les entreprises privées naissent d'en bas? Ou est-ce qu'il faut décréter que tout devient économie de marché et tout est privatisé? Donc il y avait un peu l'idée modèle chinois, modèle des pays de l'Est, les débats Stiglitz, Haslund, etc. Donc il y a eu une série de débats très intéressants. Et après j'ai retrouvé Janosch quand je suis devenu prof à Harvard, parce qu'il était donc prof à Harvard, et donc on partageait même la même assistante, et puis on se voyait beaucoup, et donc le temps, voilà, donc il y a eu un envolable de plusieurs années où il était mon collègue en fait, voilà. Donc ça c'est un peu sur le plan personnel. Bon, il a fait ce livre dont vous allez parler, qui s'appelle, alors je ne sais pas le titre français, en anglais c'est By Force of Thought. À la force de la pensée. À la force de la pensée, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre son évolution personnelle, son histoire personnelle. Il montre que pendant la guerre, il s'est caché dans une cave, c'est comme ça qu'il a survécu. Il explique que ses parents étaient des germanophiles, son père était un grand juriste hongrois, très admiratif de l'Allemagne. Il ne comprenait pas qu'on l'emmène dans un camp. C'était un grand germanophile, le père de Corneille. Quoi. Et donc, en fait, et Corneille, lui, s'est caché dans une cave pendant la guerre, parce que la Hongrie, ça a été dramatique. Les Juifs hongrois, très peu ont survécu à l'Holocauste, etc. Donc, il a été un survivant de ça. Quand il sort de la guerre, évidemment, il est sauvé par les communistes, et donc il est communiste, quoi. Donc, et au début, quand il y a un Corneille communiste, et puis petit à petit, d'abord, il réalise que le système, ça, il y a des choses qui vont pas, qu'il y a du mensonge, qu'il y a des choses qui ne sont pas ce qu'on voudrait, et puis il réalise aussi petit à petit sur le plan économique que le modèle ne fonctionne pas. Mais il y va petit à petit, quoi. Moi, c'est marrant parce que j'aurais dû le lire. Si il avait publié Force of Thought, j'aurais peut-être économisé beaucoup d'années. J'étais moi-même un communiste. J'ai vendu l'humanité pendant 10 ans, place Monge, et je suis passé un peu sans vouloir par les étapes de Corneille, et voilà. Mais donc c'est quand j'ai lu son livre, ça m'a frappé parce que je dis oh là là, it rings a bell comme on dit en anglais là. Non, il y a aucun problème. Non, je rougis pas de mes. Non, ce sens est connu. Je m'en cache pas. Et je n'ai pas. C'était des années. Et puis bon, c'était pas. Il n'y a pas eu des purges. Enfin, c'était bon. C'était un parti assez stalinien en France, mais c'était quand même pas. On mettait pas des gens dans des camps. Voilà. Donc, si vous voulez, et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il dit bon, il y a le système communiste, puis il voit que tout à fait, ça marche plus très bien. Et pendant très longtemps, il se dit mais on peut le moderniser. On peut mettre un peu de marché dedans.
on peut faire du socialisme de marché. Et moi, à un moment donné, je me disais, mais peut-être... Moi, je me disais, vu de la France, la Hongrie, ça marche mieux que quand même la Roumanie, quoi. Et donc, on peut... Ou la Pologne, ils font un peu de marché dedans. Et puis, tu te rends compte, à un moment donné, que finalement, il vaut mieux aller directement vers l'économie de marché, quitte à faire un modèle régulé, plus scandinave, etc. Tu vois, mais il est allé... Il a fait un cheminement comme ça, tu vois, de communisme. Peut-être communisme dur, ça fonctionne pas. Donc, on va mettre un peu de marché dedans. Puis après, tu te rends compte que finalement, le mieux, c'est d'aller vraiment vers l'économie de marché, mais régulée, quoi, voilà. Donc, alors, il y avait un autre point, une chose qu'il explique très bien dans ce livre, c'est que au début, quand tu regardes l'économie néoclassique, on t'apprend le modèle valrasien, le modèle à Rodebreu, si tu veux, qui est un modèle très statique. Et tu as le théorème de welfare, tu as les théorèmes de bien-être. Et le deuxième, je crois que c'est le deuxième théorème de bien-être qui te dit que l'équilibre, tu peux en fait, quand tu as un truc optimal, tu peux l'implémenter comme équilibre. Tu vois, tu peux la solution optimale, la solution du planificateur peut être implémentée par un système de prix. Et ça, c'est la vision Oscar Lange, c'est-à-dire tu as une vision, tu te dis, bah, finalement, le socialisme et le capitalisme, c'est pas différent. C'est De Gaulle qui va voir Khrouchtchev, qui dit, bah, finalement, vous êtes ci, vous en êtes ça, mais finalement, on fait la même chose, on fait de l'industrie, on fait de ci, on fait de ça. Vous vous appelez communiste, nous, on s'appelle ceci, mais finalement, où est la différence, d'accord? Et puis, finalement, petit à petit, il réalise que non, il y a une vraie différence, mais il faut avoir une vision plus dynamique de l'économie. C'est qu'en fait, seul le capitalisme favorise vraiment l'innovation. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans le système, dans le modèle valracien, ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas d'innovation dedans. Tu comprends? Ce n'est pas le bon modèle. Le bon modèle, c'est un modèle de croissance où tu génères de l'innovation. Et un modèle de croissance par l'innovation. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc voilà. Et donc, il comprend et il regarde un peu qui a fait les grandes innovations. Alors, c'est vrai qu'en en Russie, il y avait de très bons mathématiciens. Ce qui était recherche fondamentale, mathématiques, etc., ils sont hors pair. Puis ils ont quand même mis un homme dans l'espace. Je veux dire, ils n'étaient pas nuls quand même, tu vois. Donc, ils ont obligé les Américains à créer la DARPA pour eux aussi mettre quelqu'un dans l'espace. Donc, ce n'était pas des nuls quand même, tu vois. Mais c'est vrai que les grandes innovations, tu n'en as pas énormément qui sont venues de là-bas. Innovation, je ne parle pas de théorème, hein, je parle d'innovation industrielle, applicable, et que la plupart sont venues des pays, des économies de marché. Donc, il essaye de comprendre pourquoi l'économie de marché est plus innovante qu'un système totalement étatisé. Eh bien, on sait maintenant que la liberté, c'est très important, la liberté du chercheur, mais la liberté même de mettre en œuvre. L'ouverture, c'est très important, de pouvoir échanger des idées librement. Il n'y a pas vraiment de progrès sans l'ouverture. Le profit, quelque chose de très important. C'est important que je... Alors, on ne fait pas tous de l'innovation pour avoir des profits, mais on sait que le fait de chercher des rentes d'innovation, c'est un moteur extraordinaire de l'innovation. Tu vois, et on sait que là où les droits de propriété ne sont pas protégés, il n'y a pas beaucoup d'innovation, c'est un fait, l'être humain est ainsi, voilà. La concurrence, c'est quelque chose de très important, on sait que la concurrence stimule l'innovation, et donc il comprend que toutes ces choses-là qui sont dans l'économie de marché et qui ne sont pas dans le système étatisé font qu'il y a de l'innovation dans l'un et il y a beaucoup moins d'innovation dans l'autre. Et finalement, la guerre froide est gagnée parce que technologiquement, c'est les Américains qui gagnent, quoi, voilà. Et donc, quelque part, c'est comme ça qu'ils gagnent la guerre froide. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant parce que la concurrence, c'était quand même un des rares domaines où les Soviétiques avaient de la concurrence. C'était de la concurrence avec les États-Unis. Et là, c'est un des domaines où il y a eu de l'innovation. Qui montre quand même que la concurrence joue un rôle, mais elle n'était que dans ce domaine-là, tandis que dans l'économie de marché, elle est dans tous les domaines. Et donc, c'est intéressant. Alors, il y a évidemment à partir de ce moment-là, il y a l'idée, il faut aller de l'économie planifiée vers l'économie capitaliste. Et le problème est de savoir comment faire ça. Alors, il y a tout le truc du hard budget constraint. Je ne vais pas parler trop longtemps là-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'idée de la soft budget constraint? C'est que quand tu es dans un système où tu as une seule banque, un seul financeur, tu fais un projet. Et il se peut que ton projet, et ça a été très bien formalisé par De Wattripon et Maskin, Eric Maskin et Mathias De Wattripon. Il te dit, voilà, tu as un projet et ton projet... il peut tout d'un coup prendre plus de temps. Il y a des bons et des mauvais projets. Les bons projets, ils ont un rendement rapide et ils sont bons, quoi. Et les mauvais projets, ils sont peut-être moins bons et en plus, il faut les refinancer. Mais le financeur, celui qui finance, il ne sait pas d'avance qui est bon et qui est mauvais. Peut-être que le type qui détient le porteur du projet connaît son type, mais le financeur, le créditeur ne connaît pas. Donc par exemple, je me retrouve, Vladimir vient, et puis il vient me demander de l'argent. Alors évidemment, comme moi j'ai déjà mis une mise de base, au moment où tu me redemandes de l'argent, je regarde, si je ne te remets pas de l'argent, ben j'ai rien du tout, et donc je compare le gain de ton projet à l'argent que tu me demandes de mettre maintenant, puisque l'argent déjà mis,
a déjà été mis, donc il ne compte plus. Et donc tu peux tout à fait être dans une situation où, en fait, ex post, je n'ai pas d'autre choix que de te refinancer, même si j'avais anticipé que je devais te refinancer, c'était inefficace de m'engager avec toi. Et ça, c'est le dilemme de la soft budget constraint. C'est-à-dire que quand tu as un seul financeur, à ce moment-là, tu es amené à refinancer des mauvais projets parce qu'en fait, le créditeur, il est coincé, quoi. Il est obligé de refinancer parce que sinon, il perd tout. Et il ne veut pas tout perdre. Et là, par exemple, la concurrence entre banques aurait permis de résoudre le problème parce que tu pourrais dire la mise de base est mise par quelqu'un et le refinancement est par quelqu'un d'autre. Et bien dans un cas comme ça, tu durcis la contrainte budgétaire. Ça aurait permis à des mauvais projets de ne pas être refinancés. Anticipant que tu n'es pas refinancé, tu n'aurais pas redémarré le mauvais projet. Parce que si le créditeur ou si le système de crédit pouvait s'engager à l'avance que chaque fois qu'on demande du refinancement, on ne le donnera pas, et bien les mauvais projets ne seraient pas démarrés et tu n'aurais que les bons. Et ça serait bon pour l'innovation. Quand tu es dans un monde où tu ne peux pas stopper Vladimir qui vient me demander de l'argent, eh bien ça fait qu'il y a beaucoup de mauvais projets et que du coup, ça divertit des ressources qui pourraient aller à des projets plus innovants et des meilleurs projets. Et tu vois par exemple très bien comment la contrainte budgétaire, eh bien, dans un pays avec concurrence, tu as plus de chances que la contrainte budgétaire soit dure et que donc tu as un processus de sélection qui permet que les mauvais projets ne soient pas refinancés et ça laisse plus de place à des nouvelles entreprises innovantes. Et c'est pour ça que c'est bon pour l'innovation d'avoir de la hard budget constraint. Et vous voyez un peu mon raisonnement sur la soft budget? Voilà, je l'expliquer en mots très simples. Hein. Voilà. Alors le truc intéressant quand même, c'est que ce qu'il n'a pas prévu, Janosch, il n'a pas prévu Orban. D'accord? Et non, mais c'est un vrai problème. Et moi, à l'époque, j'étais plutôt du côté Stiglitz. Je pensais qu'il ne fallait pas faire les coupons parce que je trouvais que c'était très dangereux de rendre des gens très riches d'un coup. Et je pense qu'avec les coupons, ils ont créé des oligarques. Et ces oligarques-là, eh bien, ont créé des Poutine et des Orban, etc. Ils sont devenus des entrenched incumbents qui ont surtout tout fait maintenant pour bloquer, pour réduire les libertés et pour bloquer de nouvelles innovations. Et je crois que là, c'est là où, à mon avis, tu vois, le débat sur la vitesse de privatisation redevient pertinent. C'est que je crois beaucoup plus dans le grassroots capitalism, dans le truc qui vient d'en bas. Parce que si tout d'un coup, tu fais un système de coupons, il y a quelques personnes, souvent les gens de la nomenclatura, plus malins que les autres, et qui deviennent des oligarques. Et à partir du moment où ils sont des oligarques, ils bloquent le pays. Et ils capturent le pays. Et c'est ça qui donne naissance à des Orban. Orban, la famille d'Orban, elle a des intérêts dans l'économie hongroise, comme Poutine a des intérêts dans l'économie russe ou des oligarques autour de lui. Et là, ça déraille le processus parce que du coup, tu fais barrage à l'innovation. Dès que tu as une situation où tu as des gens très puissants qui peuvent empêcher des innovations futures, tu réduis la concurrence. Et tu réduis l'innovation. Et c'est comme ça. Et ça, je crois qu'au moment, tu vois, les Haslund de ce monde, les gens, les Schleifer de ce monde, etc., n'avaient absolument pas prévu le fait qu'ils allaient produire des oligarques. Voilà. Et je pense que c'est ça un peu la réponse. Et je pouvais avoir Janosch. Je crois qu'on en avait un petit peu déjà parlé à ce déjeuner que j'ai eu avec lui. Je dis, voilà, Janosch reconnaît quand même que là il y avait un point. Tu vois, sur que Stiglitz contre Haslund, peut-être que Stiglitz n'avait pas totalement tort. Voilà. Peut-être que je m'arrête là et je passe la parole. Merci beaucoup, Philippe, à la fois pour ton enthousiasme proverbial, mais aussi j'ai beaucoup apprécié que tu aies fait le lien entre Corneille et finalement ton champ de recherche, l'innovation. Là, c'était tout à fait intéressant de voir comment toi tu vois en tant que théoricien. Mais on garde des valeurs quand même. Oui. Moi, de ma période communiste, j'ai gardé l'idée que je crois dans la croissance pour tout le monde. D'accord. Je pense que la naissance ne doit pas déterminer ce que tu fais plus tard. Quoi. Je pense que. Mais les Scandinaves ont montré que tu pouvais faire ça dans une économie de marché. Et alors, j'ai en particulier apprécié à titre personnel que tu as rejoint le camp de Stiglitz, si je puis le dire ainsi, enfin en tout, ou que tu en as toujours été, je ne sais. Voilà. Bon, moi aussi. Voilà. Donc voilà, je te remercie. Bien, alors je vais me donner la parole. Donc moi, je vais couvrir sous le titre de la planification décentralisée à la théorie du déséquilibre une période de Corneille qui va en gros de 1959 à 1989. Alors, comme vous le savez certainement, Janosch Corneille était un théoricien éclectique. Et je dirais même qu'avec une dimension évolutive, c'est-à-dire il a évolué beaucoup, et notamment donc après sa rupture avec le marxisme en 59, il a investi lourdement dans la théorie néoclassique, il a travaillé tout ça de Walras à Debreu, en passant bien sûr par Oscar Lange, comme Philippe l'a rappelé.
Et puis, dans les années 70-80, il s'est intéressé aux théories du déséquilibre, qui étaient d'inspiration plutôt post-keynésienne, et puis en même temps aussi à Hayek, pour des raisons que j'évoquerai dans un instant. Et via Hayek, il est arrivé, en fin de course, si je puis dire, à l'économie institutionnaliste. Mais il a cherché à conserver de chacune de ses approches quelque chose qui lui paraissait acceptable ou intéressant. Et c'est ce qui fait que sa pensée est à la fois, ou son analyse est à la fois riche et complexe. Mais de combiner tout un tas de choses assez différentes l'expose évidemment à quelques dilemmes ou à quelques paradoxes dans sa théorie. Et j'en ai retenu trois que je voudrais mettre en évidence. Alors le premier dilemme, je vais l'intituler... Alors peut-être, voilà, sur la slide, ça suit. Alors c'est... Non, c'était la précédente, c'est parfait. Numéro un, le dilemme du planificateur. Voilà, le premier dilemme dont j'ai parlé, le dilemme du planificateur. Dans les années 60, Corneille se trouvait professionnellement employé au centre informatique de l'Académie des sciences de Hongrie. Et à cette occasion, il a collaboré avec le bureau central ou l'office central de planification de la Hongrie. Et comme tous les planificateurs qui aimaient bien la planification décentralisée ou qui pensaient à cela, alors ça allait de Kantorowicz, par exemple, à Malinvaux en France, donc une communauté intellectuelle importante, il a tenté, comme tous les autres, il a tenté d'améliorer la procédure d'élaboration du plan qui était inspirée du modèle d'Oscar Lange, dit de socialisme de marché, que Philippe a énoncé tout à l'heure. Alors en deux mots, qu'est-ce que c'est que ce modèle de socialisme de marché à la Oscar Lange? C'est un modèle, alors c'est un modèle théorique, hein, c'est un modèle dans lequel les biens de consommation et le facteur travail sont alloués par le marché, tandis que les moyens de production sont alloués aux entreprises par le planificateur central à la suite d'échanges d'informations, on dit des itérations, après une suite d'itérations, d'échanges d'informations, entre le planificateur qui envoyait un système de prix aux entreprises et qui attendait en réponse de la part des entreprises qu'elles formulent des quantités qu'elles envisageaient de produire à ces prix-là et leurs besoins en input également, toujours à ces prix-là. Alors, ces itérations, mathématiquement, se poursuivent si on a un bon algorithme, qui est un algorithme convergent. Ces itérations se poursuivent jusqu'à la convergence à l'équilibre général de tous les producteurs. Voilà. Alors, ce processus que Lange a expliqué s'appelle, à l'origine, le tâtonnement walrasien. Voilà, c'est le tâtonnement walrasien qui est au cœur du modèle de Lange. Dans les années 60... les planificateurs de tous les pays de l'Est, ou des pays communistes, comme vous voulez, cherchaient à organiser des itérations entre le centre planificateur et des secteurs périphériques ou décentralisés, qui en l'occurrence étaient souvent des ministères industriels. Voilà. Et pour cela, ils utilisaient un algorithme sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qui est un algorithme de programmation linéaire de Dantzig et Wolf. Tout le monde faisait ça. Et Corneille, travaillant avec un jeune mathématicien hongrois, Tamás Liptak, en 1965, ont une idée géniale, qui est de traiter le programme linéaire qu'est le plan par la théorie des jeux, de transformer le programme linéaire en un jeu polyédrique auquel participent le centre et puis la périphérie des secteurs, et dont le point sel, c'est la solution du jeu, donc dont le point sel est le plan optimal. Donc, sur le plan mathématique, une élégance fantastique, saluée par Malinvaux et par bien d'autres qui disent « c'est la solution mathématique superbe au problème de la planification décentralisée, c'est-à-dire avec la participation des secteurs ». Et d'autres ont même écrit que ce modèle de planification à deux niveaux de Corneille et Liptak était l'aboutissement de la modélisation d'une économie à la Walras-Lange. Voilà. Donc, où est le dilemme? Jusque-là, pas de dilemme. Où est le dilemme? C'est que Corneille et Liptak ont cherché à utiliser leur modèle pour élaborer le plan quinquennal de la Hongrie. Là, ça a commencé à se gâter un petit peu, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'optimum après 5 ans de calcul. Ils n'ont pas trouvé l'optimum. C'est pas parce que leur algorithme ne convergeait pas, il convergeait, mais il convergeait beaucoup trop lentement
avec les capacités informatiques de l'époque. Donc ils n'arrivaient pas à trouver l'optimum. Alors de cette expérience, Corneille a été un peu aigri ou déçu, et après cet échec, il a rejeté d'un bloc le modèle d'Oscar Lang, la théorie néoclassique, et il a produit un livre que Philippe a mentionné, qui est le livre intitulé « Anti-Equilibrium », qui est vraiment un pamphlet, c'est plus qu'un pamphlet, mais qui est une analyse très critique de la théorie néoclassique. Et donc, on a ce paradoxe que, ayant inventé le meilleur modèle de planification décentralisée, Corneille, à la fin, l'a jeté à la poubelle en disant « Celui qui avait raison, c'est Hayek ». C'est Hayek, puisque Hayek a dit « Le plan, c'est une mauvaise solution, il faudrait résoudre des millions d'équations et on n'aura jamais le temps de le faire dans la durée du plan. Donc arrêtons la planification ». Et donc, comme Hayek, Corneille est devenu tout à fait hostile à l'idée que l'on demande à des agents décentralisés de transmettre l'information dont ils disposent vers un centre planificateur qui va utiliser cette information pour en faire un plan. L'idée de Hayek, et que Corneille reprend, c'est que les personnes qui sont les mieux à même d'utiliser leur information sont les agents qui la détiennent. Voilà. Et comment vont-ils utiliser cette information ? Eh bien, en réponse à des signaux qui sont les signaux envoyés par le marché, c'est-à-dire en réponse à des prix. Donc il a adopté, à un moment de sa vie, cette posture hayekienne, si on peut dire, ce qui l'a conduit, évidemment, à une pensée plus évolutionniste, qui s'est particulièrement manifestée dans les années 90 du début de la transition post-communiste, et à la critique du constructivisme. Ça a été plutôt sa période des années 80, où il a critiqué toute réforme qui cherchait à maintenir la planification. Le deuxième dilemme, et ça sera la slide suivante, je l'ai intitulé « Le dilemme de la pénurie ». Quand il préparait sa thèse de doctorat sur la planification dans l'industrie textile, Corneille a constaté les pénuries récurrentes dont souffraient les entreprises hongroises, qui attendaient la livraison de leurs inputs planifiés. Le plan leur avait promis des inputs, et ça n'arrivait pas, ou ça arrivait en retard, où les inputs n'étaient pas conformes ou n'étaient pas livrés du tout. C'était un constat empirique tout à fait exact, dont il n'a fait la théorie que plus tard, en 1980, dans son livre, qui est à mes yeux, en tous les cas, le meilleur, qui s'intitule « Economics of Shortage » ou « Théorie de économie de la pénurie », donc publié en 80. Je vais le résumer de manière totalement exagérée en trois points. La pénurie, selon Corneille, naît dans la production selon un cercle vicieux dans lequel, face à un défaut d'approvisionnement, bon, on ne reçoit pas ces approvisionnements, une entreprise qui ne reçoit pas ces approvisionnements va s'ajuster en procédant à ce qu'on appelle des substitutions forcées. Je ne reçois pas des boulons en acier, je vais prendre des boulons en cuivre. Voilà, et je les monte sur la machine quand même. Et donc va produire des produits défectueux, ou en tous les cas pas conformes au plan, et va les livrer, à qui elle doit les livrer, et va donc transmettre la pénurie à ces entreprises, qui vont recevoir des produits défectueux, éventuellement en retard, et en tous les cas non conformes au plan. Et ainsi va se propager à travers tous les échanges inter-industriels la pénurie, c'est-à-dire le défaut d'approvisionnement ou les mauvaises livraisons. Le deuxième point clé chez Corneille, c'est que si cette pénurie se propage à la section 2 des biens de consommation de Marx, parce que là, il garde une petite référence à Marx, à ce moment-là, de son analyse, eh bien, la pénurie va se traduire par des excès de demande insatisfaites pour les consommateurs. Et selon que les prix sont fixes, comme ils l'étaient en Hongrie, eh bien, l'excès de demande va se manifester par des files d'attente, ou s'ils n'étaient pas fixes, si ce serait transformé en inflation ou en inflation réprimée sur laquelle je vais revenir. Et puis le troisième point me ramène à ce que nous disait Philippe, les excès de demande des entreprises, bon, qui, sachant qu'elles vont avoir des problèmes d'approvisionnement, qu'est-ce qu'elles font ? Elles demandent de plus en plus d'approvisionnement, évidemment, pour se protéger contre la pénurie. Et elles le peuvent parce qu'elles ont une contrainte budgétaire lâche, parce qu'elles savent qu'elles peuvent dépenser, acheter plus d'inputs que leurs revenus ne leur permettraient. Et donc la boucle est bouclée. Mais là encore, où est le dilemme ?
Tout ça est très cohérent. Le dilemme, c'est qu'au même moment, Corneille a constaté maintes fois que dans les secteurs prioritaires du plan, par exemple ceux qui travaillent pour l'armée, des quantités énormes de produits sont fabriqués, tellement qu'il reste des stocks inutilisés ou des stocks invendus. Et donc, on a des secteurs qui sont en excès d'offres en même temps que d'autres sont en excès de demandes. Et vous verrez que ça m'emmènera vers des conclusions un peu bizarres. Ou pour le dire autrement, trop de kalachnikov, pas assez de carottes. Quoi. Voilà. Bon. Troisième dilemme, et troisième slide, que j'appelle le dilemme de la règle du côté court. Bon, en macroéconomie post-keynésienne, c'est-à-dire si l'on suit des auteurs comme Clower, Leonov Food, Barrow-Grossman, Malinvo, Benassi, etc., dans les années 70-80, tous ces auteurs sont intéressés par la conception de modèles de déséquilibre où les prix fixes engendrent soit un excès d'offres, soit un excès de demandes, tantôt sur le marché des biens, tantôt sur le marché du travail. Et donc ça vous fait quatre combinaisons possibles qu'on appellera quatre régimes économiques différents et qu'on peut les concevoir. Et l'un de ces régimes est nommé le régime d'inflation contenue ou d'inflation réprimée. Il se caractérise par un double excès de demande, un excès de demande sur le marché des biens, ce sont les files d'attente, et un excès de demande sur le marché du travail, qui est un chômage zéro, un taux de chômage zéro, qui fait qu'une entreprise ne trouve personne à embaucher. Alors si on regarde la situation de la Hongrie avant la transition, bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça, il y a des files d'attente, les entreprises ne trouvent pas un travailleur à embaucher. Donc cette analyse aurait dû absolument séduire Corneille. Et pourtant, il en a été l'un des critiques. Ce qu'il a critiqué dans cette théorie, ce n'est pas la théorie dans son ensemble, c'est ce qu'on appelle la règle du côté court, c'est-à-dire la règle qui agrège sur chacun des deux côtés du marché, offre et demande, qui agrège les offres individuelles, qui agrège les demandes individuelles, et qui en déduit le solde net macroéconomique, qui est soit un excès d'offres macroéconomiques, soit un excès de demandes macroéconomiques. Dans les modèles de déséquilibre post-keynésien, il ne peut pas y avoir, en raison de cette règle, il ne peut pas y avoir simultanément, sur le marché des biens, un excès de demande locale quelque part dans l'économie et un excès d'offres locale quelque part ailleurs dans l'économie. Voilà, on ne peut pas avoir ça dans ces modèles très macro. Et de même sur le marché du travail, on ne peut pas avoir un manque de main-d'œuvre ici et un sous-emploi ailleurs. Et alors ça, c'est évidemment contraire à toutes les observations et analyses qu'a fait Corneille pendant 20 ou 30 ans. Donc il rejette la règle du côté court. Et là, il y a bien un dilemme. Et face à ce dilemme, Corneille oppose une vision très microéconomique des déséquilibres. Très très microéconomique, puisque le déséquilibre est analysé au niveau de chaque agent, au niveau de chaque entreprise, au niveau de chaque consommateur qui, à un moment donné, est soit en situation de pénurie, soit en situation de surplus ou d'excédent. Alors, je me suis longtemps interrogé sur comment Corneille avait trouvé cette version très microéconomique. Et on la trouve dans ses écrits, dans Economics of Shortage. Il se réfère ici à un livre de Gérard Debreu, Théorie de la valeur, publié en 1959, où Debreu analyse l'équilibre général à un niveau très très microéconomique, puisqu'il part des décisions individuelles des agents face à des biens infiniment détaillés et localisés un peu partout, et sur une période qui va jusqu'à l'infini. Ça s'appelle des biens contingents. Hein, voilà. Donc, c'est de cela que s'inspire Corneille, qui pourtant a critiqué la théorie néoclassique, hein, au passage, mais il s'inspire là de Debreu. Alors, j'ai nommé cette vision des choses une vision infra-microéconomique des déséquilibres dans un papier que j'ai publié en 86 qui était un commentaire de Economics of Shortage, d'autant plus que dans Economics of Shortage Corneille va même jusqu'à diviser chaque agent en trois. Il analyse le comportement de chaque individu en tant qu'acheteur, en tant que producteur et en tant que vendeur. Et il a trois algorithmes différents. Donc c'est vraiment très infra-microéconomique. Alors il a résolu son dilemme. Et en conclusion, je vais poser la question suivante. N'y a-t-il pas un dilemme quant au statut
de la théorie de Corneille. Est-ce que c'est une théorie des systèmes économiques, comme ça a été souvent interprété? Je vais dire en deux mots ce que je veux dire. Ou bien est-ce que c'est peut-être plus que cela? Est-ce une théorie générale des déséquilibres? Parce qu'il y a un changement de statut, là. Alors, si c'est une théorie des systèmes économiques, c'est une théorie qui, dans un même modèle, arrive à avoir deux versants. Un versant qui est le socialisme planifié, avec pénurie, file d'attente, routine. Et puis, il y a un autre versant, selon qu'on est plutôt en excès de demande ou en excès d'offre, il y a un autre versant avec l'excès d'offre, où on est dans une économie de marché, de surplus, avec un effort de vente, c'est-à-dire pour vendre, il faut faire de la publicité, etc. Et où, comme le soulignait Philippe tout à l'heure, il y a de l'innovation. Alors qu'à la place, dans le socialisme, il y a de la routine. Ça ne conduit pas au même résultat. Voilà. Alors, ça, c'est la vision Corneille, théoricien des systèmes. Mais ça me pose un problème. Si on considère que Corneille n'analyse les déséquilibres qu'au niveau infra-microéconomique de chaque action, de chaque individu, en quoi est-ce une théorie des systèmes? En quoi est-ce une théorie des systèmes? J'ai tendance à considérer, même si je ne suis pas néoclassique, que Gérard Debreu, c'est de la théorie générale. Voilà. Et donc, je pose cette question au sujet de Corneille, et j'ai quelques preuves qui vont dans ce sens. Dans un article désormais célèbre que Corneille a écrit avec Éric Maskin et Gérard Roland en 2003, Corneille a théorisé le fait que la contrainte budgétaire lâche, et donc l'excès de demande qui en résulte normalement, est possible, et est même d'ailleurs observé, dans certains secteurs de l'économie de marché capitaliste. Ça va donc dans le sens d'une théorie générale. Et on a vu tout à l'heure que dans les économies planifiées, qui sont des économies de pénurie, il y avait des secteurs en excès d'offres. Ça a toujours dans le sens d'une théorie générale. C'est donc une hypothèse que je soumets à la discussion, et je terminerai donc sur cette ambiguïté dans l'œuvre de Corneille, mais que je trouve assez normale pour quelqu'un qui se positionnait en disant qu'il était « one foot in and one foot out of the mainstream ». Alors je suis un pied dans le mainstream et un pied en dehors, voilà, de la théorie dominante. Voilà, et je pense qu'il y a là un malentendu que les deux orateurs successeurs qui vont me succéder vont certainement chercher à lever. Voilà, merci pour votre attention. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Vladimir pour cette invitation. Mon intervention porte sur une thématique chère à Corneille. Chère à Corneille depuis, en fait, sa thèse de doctorat en 1956, qui est devenue une sorte de manifestation contre le régime à l'époque. Il y avait vraiment des milliers de personnes présentes dans sa soutenance. Et la thèse portait sur un thème assez intéressant, la centralisation excessive dans le système socialiste. Et il avait pris comme exemple l'industrie légère hongroise. Et à travers l'analyse concrète, positive, descriptive de cette industrie, il essayait de relever les contradictions profondes du système soviétique. Donc, c'était extrêmement intéressant parce que souvent, ce qu'on avait sur le système socialiste était d'ordre normatif que positif, c'est-à-dire le monde tel qu'il doit exister au lieu de monde tel quel. Et Corneille a en fait introduit cette dimension méthodologique, analysons d'abord ce qui existe et ensuite regardons si on peut faire quelque chose. Donc normatif vient toujours après pour Corneille positif, depuis sa thèse. Ok, et depuis sa thèse jusqu'à en fait sa mort, tout ce qu'il a produit et aux alentours et au centre, le système, le concept de système. Mais si vous creusez un petit peu plus, vous voyez qu'il n'entendait pas la même chose par ce terme, ce concept système. En fait, il a été inspiré d'abord par Karl Marx sur le concept de système, puis par la théorie d'équilibre général walrasien, auquel on a fait référence souvent lors en fait, des interventions de nos orateurs précédents. D'accord. Puis, il a reformulé à partir des années 80 la notion de système de telle sorte qu'il a d'abord critiqué la théorie de l'équilibre général,
Walrasien, donc l'analyse néoclassique, puis il l'a orienté contre le marxisme, la conception matérialiste de l'histoire. D'accord ? Donc, chez Corneille, vous avez une palette de notions de système, et j'aimerais bien, en fait, insister sur les grands points de repère sur ça. En fait, ma communication aujourd'hui, il repose sur deux articles. Un qui porte sur Janusz Corneille et la théorie d'équilibre général, 2018, dans la revue hongroise Acta Economica, et l'autre, c'est le socialisme et, en fait, la perspective révolutionnaire corneillienne qui est publiée dans ce numéro spécial. Et pourquoi ça? Parce que le système, c'est un concept que Corneille a utilisé à la fois comme une explication de complexité de système socialiste, mais aussi pour prouver pourquoi il faut révolutionner ce système. Et il ne faut pas le réformer. Il était contre le socialisme de marché, il était contre, en fait, l'idée de pouvoir réformer ce système de l'intérieur, par exemple, socialisme à visage humain qui avait été proposé ou le socialisme de marché. Donc, la notion, le concept de système a un double, en fait, intérêt, double acception chez Corneille. C'est un message de révolution. Et quelque part, je dois dire que même en Occident, chez les économistes, Corneille est connu pour la notion de contrainte budgétaire lâche. En Orient, dans les pays socialistes, il est connu pour sa perspective révolutionnaire, pour ce qui est l'économie de la pénurie et pourquoi il faut complètement bouleverser ce système. Donc, pour le faire, tout d'abord, j'aimerais bien rappeler quelques moments, en fait, de sa thèse, qui a été publiée très vite en 1957, et de nouveau, une nouvelle édition en 1994. Et là, il utilise la notion de mécanisme économique. Mécanisme économique, c'était dans la littérature hongroise, la littérature économie hongroise, l'équivalent de système. C'était système, c'était quoi? C'était un tout organique. Un système comme une sorte de constellation des parties d'un ordre organique, ayant la qualité d'auto-reproduction. Et à partir de là, il voulait dire que centralisation excessive du système socialiste est un tout organique. Ce n'est pas la faute de telle ou telle personne. Ce n'est pas la faute de tel ou tel bureaucrate socialiste. C'est tout le système qui fonctionne ainsi. Il faut changer le système. À l'époque, c'était le mécanisme économique qu'il voulait en fait changer, mais il n'était pas tellement clair si ça sera une réforme ou une révolution. Il a avoué dans la force à penser que, en fait, pour lui, il était encore peu clair à l'époque. Okay. C'était les années 50 et 60. Corneille, pour ce concept, était directement inspiré par Karl Marx. Vous voyez que dans la vision de Karl Marx, aussi, on a ça. C'est la société tout entière, le mode de production, la formation économique et sociale. D'accord ? Donc, c'était très marxiste. Il avait à l'époque 1956, déjà, il avait rejeté la théorie de plus-value de Marx. Mais ce qu'il avait retenu, c'était la notion de système. En 1970, il a fait l'anti-équilibrium, on a référé à ça. Mais sachez qu'à l'époque, pour lui, ce n'était pas uniquement une critique de l'école néoclassique. Il a jeté le pont entre l'Occident et l'Orient en ce qui concerne le dialogue de civilisation. Si par civilisation on entend d'économie. Une génération entière dans les pays de l'Est ont connu la théorie de l'équilibre général à travers l'ouvrage de Janusz Corneille. C'était une rencontre entre les deux pays. D'accord ? Et comment il a utilisé cette théorie ? Il disait que la théorie d'équilibre général ne considérait pas qu'il est anti-marxiste. Parce qu'il est politiquement neutre. La neutralité politique, il est complètement axiomatique, il est mathématique, il peut être utilisé dans n'importe quel système. Un petit peu ce que, en fait, Vladimir proposait tout à l'heure. Quelque chose qui est au-delà du système socialiste ou capitaliste. Et qu'est-ce que c'est ça? Il disait qu'il s'agit de deux processus, processus matériel et processus de contrôle. Et il utilisait le mécanisme organique de l'être humain. Il faut dire que Corneille était amoureux de comparer l'économie avec la médecine, biologie. Ce n'était pas la mécanique ou la physique, il faut reconnaître.
chez les économistes, on a plutôt une tendance à insister sur la ressemblance entre l'économie et la gravité, en fait, le mécanique. Janusz, non, c'est une connaissance évolutionnaire, c'est une connaissance organique. Et qu'est-ce qu'on fait donc par l'économie ? Leontief, c'était processus en fait plutôt matériel, corporel, et on a la théorie de l'équilibre général, c'est-à-dire tous les marchés en équilibre qu'on a trouvé chez Walras et mobilisés après la Seconde Guerre mondiale avec Harold Dobro. Donc ça, c'est un système. Mais il a donné une interprétation assez originale. En Occident, dans n'importe quel bouquin de l'économie, on considère la théorie de l'équilibre général, microéconomie et standard. D'accord ? Pour Corneille, ce n'est pas ça. Pour lui, la théorie d'équilibre général, c'est ni micro, ni macro. Donc, qu'est-ce qu'il sait ? Pour lui, c'est la théorie de système. Et le système, c'est le lien entre micro et macro. Il a inventé ça. Ça ne tient pas même une seconde bout. Hein. C'est-à-dire, si vous regardez Walras, si vous regardez Harold, Dobro, tout ça, c'est clairement la microéconomie. Pas pour Corneille. Pour Corneille, c'était une théorie de système et système neutre sur le plan politique. J'aimerais bien insister. Système est une notion, il devient pour Corneille en 1971 un élément neutre politiquement. J'aimerais bien insister ici une chose. Pour Corneille, cette vision en fait de neutralité avait une importance au niveau de l'équilibre ou déséquilibre. C'est-à-dire, à l'époque, il ne raisonnait pas si c'est institutionnel ou non institutionnel. Il disait que la théorie d'équilibre général, c'est une théorie de système dimension normative, mais de façon explicative, chaque système est caractérisé par un ensemble de déséquilibres chroniques. Le système socialiste, c'est une économie de pénurie, et il utilisait la caractérisation de Keynes en disant « le système capitaliste, c'est un système de surplus ». D'ailleurs, c'était le titre de ce dernier ouvrage sur le surplus et la pénurie. D'accord ? Ok, 80, les années 80, l'économie de pénurie, ça a vraiment chef d'œuvre, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Ça, c'est un grand tournant chez Janusz Korczak, parce qu'il devient un institutionnaliste. Et qu'est-ce que ça veut dire, un institutionnaliste ? Ça veut dire qu'avant, il pensait que l'économie, c'est la base, l'édifice, comme un petit peu Karl Marx. Et donc, l'édifice détermine la superstructure, la politique et le reste. Il change le rapport. Il commence à dire que c'est la superstructure qui décide l'économie. D'accord ? Donc, ce renversement, il ne le reconnaît pas explicitement dans l'économie de la pénurie. Mais il dit que les institutions déterminent les relations économiques. À l'époque, par les institutions, qu'est-ce qu'il entendait ? Droit, de propriété, et quoi d'autre ? Mode de coordination. Comment les différents en fait, agents économiques se coordonnent par le marché ou par le système bureaucratique. Mais la question de l'État n'est pas posée. En fait, il pensait qu'il y a un certain nombre de systèmes, d'autres choses qu'il ne faut pas toucher. Le Comocan, en fait, la relation, il n'entrait pas, c'était trop politique. Donc, le bouquin, l'économie de pénurie, qui lance l'idée de la détermination de l'économique par les institutions, il est silencieux sur le pouvoir politique. D'accord ? Donc, là, on voit, en fait, un tournant. Tout d'abord, contre l'analyse néoclassique. Qu'est-ce qu'il dit maintenant ? Il dit, théorie d'équilibre général n'est pas systémique. Oscar Lange ne parle pas de système. Parce que pour parler de système, il faut avoir le ciment, ce qui fermente le système. C'est quoi ? Les institutions. Donc, il y a un vide institutionnel dans la théorie d'équilibre général. Et s'il existe des institutions comme crieur de prix, comme la chambre de compensation, sont des institutions fictives. Les vraies institutions n'existent pas. Donc, la notion de système manque à la théorie d'équilibre général. Donc, vous voyez, il a tourné la veste par rapport à la notion. Donc, il ne plaide pas pour, en fait,
l'idée de l'approche axiomatique qui est neutre politiquement, et c'est ça se fait le système. Fin des années 80, début des années 90, c'est le grand virage à mon avis. Parce qu'on rajoute la politique. Et cette fois-ci, c'est la centralité politique au lieu de la neutralité politique. Pour lui, à partir de 90, et ça on le voit en fait dans son pamphlet qui est une sorte de bouquin pour Free Economy. Et après aussi, bien évidemment, dans son grand manuel de 92, Le système socialiste, qui est traduit en français en 2000. D'accord ? Et donc ça, c'est clairement l'économie politique. Et il est très sarcastique. Il utilise l'économie politique du communisme en faisant allusion à l'économie politique qui est créée à l'échelle, à la période de Staline. D'accord ? Mais de façon très humoristique pour critiquer la base. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, le système socialiste, il y a trois institutions fondamentales. Un, le pouvoir politique. C'est la première cause. Deuxième, c'est le type de propriété. La propriété prédominante, c'est la propriété d'État. Donc, un, le pouvoir individu du Parti communiste. Deux, la coordination la prépondérance de la propriété d'État. Et trois, la coordination bureaucratique qui remplace tout ce qui est le marché et le reste. Lorsqu'on a ces trois choses, on a le socle institutionnel. Et ce socle institutionnel décide l'état normal du système, qui est la pénurie. Et la pénurie est décidée par les courants permanents, constants de déséquilibre, montrés par la contrainte budgétaire large ou la quasi-passivité de la monnaie. Donc, le système est complètement renversé et à ce moment-là, c'est son article extrêmement, à mon avis, important, de 96-98, contre la pensée, la conception matérialiste de l'histoire, où il dit le matérialisme historique est faux. Parce que ce n'est pas l'économie qui décide la politique, le type de propriété et le type de coordination. C'est l'inverse. Je ne suis pas aussi catégorique que Corneille, mais je comprends. Pour comprendre le système soviétique est né de la guerre. La plupart des socialistes qu'on a dans le monde, ils sont nés de la guerre, ils sont nés de la confiscation qui est allée, la révolution avec la guerre. Je comprends que ça, c'est une bonne caractérisation du système soviétique, donner la primauté aux politiques, mais pas forcément au système capitaliste qui a fait une évolution lente depuis le 15e siècle, comme dit Brodel, d'accord ? Je ne suis pas sûr que dans le capitalisme, on peut dire que c'est toujours le politique qui décide l'économique. Donc, je suis partagé sur cette critique, mais pour vous dire que, en fait, quelle est la conséquence ? La conséquence est que vous voulez changer la pénurie, vous voulez sortir de ce déséquilibre permanent, la contrainte budgétaire lâche, il y a une seule voie, révolution. Par révolution, ils n'entendent pas un changement sanglant, un changement coercitif. Il dit même parfois les réformes sont plus violentes qu'une révolution. D'accord ? Il cite la révolution de 1919 en Hongrie qui n'était pas violente. Mais pas mal de réformes dans le monde qui étaient violentes, y compris 1956 ou les réformes de Dubček en 1968. D'accord ? Donc, bref. Il dit la révolution est avant tout changement des institutions fondamentales. Et pour le faire, on ne peut pas faire la réforme. La réforme, pour lui, devait être conservée pour augmenter la part de marché au détriment de la coordination bureaucratique. Donc, à partir de la notion de système, il a dit, il faut changer le système. Ça veut dire, il faut révolutionner le système. Et le système peut être révolutionné si on brise le pouvoir individu du Parti communiste ou la propriété prépondérante de l'État. Donc, c'était le slogan de révolution pour lui à la fin de ses travaux sur la question du système. On reste l'héritage de Corneille assez contradictoire. On a en fait deux orientations, dites orientation économique avec le système qui reste nôtre, et
le système institutionnel où la politique est centrale, pas notre. Merci. Merci, Bernard. Merci. Donc, nous passons au quatrième orateur, Julien Vercueil, qui va peut-être enfoncer le clou, puisque tu vas nous parler du rôle des institutions chez Cornaille. Oui, c'est ça. Donc, l'idée, après ces interventions qui ont été vraiment très, très complètes, c'est juste d'insister peut-être sur deux, trois points qui me paraissent intéressants et qui n'ont pas encore été évoqués. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je passerai assez vite, parce qu'elles ont été magistralement exposées par des très grands spécialistes de la question. Donc, juste un point sur Cornaille des institutions. C'est du point de vue d'un institutionnaliste que je vais traiter cette question, c'est-à-dire avec l'idée que la notion d'institution peut avoir deux sens complémentaires. Les institutions, c'est des constructions collectives qui sont capables d'influencer durablement les comportements individuels. Et il y a deux grandes tendances dans la réflexion sur l'institution. Une première qui consiste à dire que les institutions peuvent être des acteurs, et une autre tendance qui insiste plus sur le terme de règles. Et en fait, les deux sont combinables si on a une vision un peu élargie des institutions, même à l'intérieur d'un grand débat très ancien sur la nature même des institutions. Mais enfin, en tout cas, quel que soit le choix que l'on fasse, y compris un choix d'intégration de ces deux notions, on a l'idée que l'économie ne peut pas se passer d'institutions. Cornaille a eu une influence tout à fait centrale, pas uniquement sur la pensée économique, mais également sur les politiques économiques et sur la manière dont les réformes économiques ont été pensées. Dans certains discours, par exemple le discours de Yegor Gaïdar en Russie, qui disait « il n'y a pas d'économiste plus influent pour nous que Cornaille ». Mais également dans des domaines où ce n'est pas explicité, mais où c'est évident, en particulier les réformes chinoises doivent beaucoup à la lecture de Cornaille et à l'influence de Cornaille. Donc, si l'on réfléchit à ce que proposait tout à l'heure Philippe sur est-ce qu'il faut réfléchir en termes de gradualisme ou en termes de Big Bang, on voit que on a des deux côtés l'influence de Cornaille, et ça traduit bien cette ambiguïté qui était présentée par Médaille tout à l'heure. Alors, juste un point, revenir en arrière s'il vous plaît, sur les sources, je prétends pas du tout faire le tour de la pensée de Cornaille, c'est absolument pas possible. Simplement, moi j'ai focalisé sur Anti-Equilibrium, sur un texte qui doit beaucoup à mon ami Bernard, qui est un compendium d'un certain nombre de ses écrits, et qui s'appelle « La transformation économique post-socialiste », et puis à la force de la pensée dont on a parlé, et puis on peut renvoyer aussi à deux comptes rendus qui ont été faits par Vladimir d'un côté et par moi de l'autre. Vladimir, c'était dans l'économie appliquée, et moi c'était dans la revue de la régulation, sur le dernier ouvrage qui est donc à la force de la pensée. Voilà, c'est grosso modo les sources sur lesquelles je vais appuyer ma présentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'approche conceptuelle, sachant que, ça n'a pas été dit, mais Cornaille est un autodidacte, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout commencé en tant qu'économiste, il a commencé en tant que journaliste. Et c'est ensuite qu'il s'est petit à petit mis à l'économie par la compréhension des mécanismes internes de l'économie, et sa thèse est une thèse d'économie appliquée, mais c'est après qu'il fait cet effort de conceptualisation. Mais je vais commencer par l'approche conceptuelle, parce que je trouve que c'est quand même relativement intéressant, et puis surtout, comme je m'appuie d'abord sur Anti-Equilibrium, c'est par là que je vais commencer. Je passe sur le paradigme systémique en disant que, moi ce qui m'a un peu surpris, c'est que ça, dans Anti-Equilibrium, il reste à un niveau assez superficiel en disant ben finalement, mon bouquin, ça va être une théorie de l'information qui sera appliquée à l'analyse du système économique. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est beaucoup mieux que ça. Sa critique de la théorie de l'équilibre général, elle porte sur le fait justement qu'il y a une très modeste, voire nulle, prise en compte des institutions qui sont vues comme des boîtes noires. J'emploie le terme qu'il y a dans son bouquin. Hein. Il dit que finalement, la théorie de l'équilibre général, elle idéalise le fonctionnement, elle se focalise sur le résultat et elle ne se focalise pas sur les processus. Et surtout, et ça c'est un point qui est fondamental pour les institutionnalistes, elle néglige les conflits. On n'a pas parlé de conflits. Mais c'est pourtant fondamental chez Cornaille. Et il le tire de sa propre expérience de journaliste. Donc là, il faut cliquer sur le petit lien
sur les conflits internes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? La tâche réelle qui nous incombe est de décrire les conflits internes qui existent dans les institutions, y compris dans les firmes capitalistes, la variété des intérêts qui entrent en collision et qui produisent des conflits et les mécanismes à travers lesquels des compromis sont trouvés. Conflit, compromis, c'est quelque chose qu'il fait, en tout cas, pour le système socialiste, ça c'est sûr. Donc là, vous revenez en cliquant sur le lien. Voilà. Alors, ensuite, il propose une définition. Donc, on va vite voir sa définition. Sa définition, dans sa présentation, elle est assez limitée. Bon, laissons tomber la définition. Bon, c'est pas grave. Laissons tomber. Revenons en arrière. Sa définition, c'est essentiellement des institutions acteurs. C'est-à-dire, il dit, en fait, les institutions, c'est des organisations. Voilà ce qu'il dit dans ce premier élément. Et on a vu avec Merdad qu'il a évolué après. Hein. Et un autre élément que je trouve intéressant, parce que ça a été dit à une ou deux reprises, c'est cet intérêt pour la comparaison et l'analogie que l'on voit ici avec, vous voyez, une sorte de hiérarchie dans l'approche entre le macro et le micro, où on met en regard la théorie des systèmes économiques, la physique et la biologie, et puis les institutions sont au milieu. Hein. Donc c'est une approche un peu naïve, mais intéressante de cette organisation un peu analogique des concepts. Voilà pour l'approche conceptuelle, le cadre conceptuel dans lequel il travaille, en tout cas au début. Ensuite, on passe à la diapo suivante. Ensuite, il y a l'approche positive. Et donc là, on en a déjà pas mal parlé, je vais aller assez vite. Il dit que ses influences principales, c'est les théoriciens des organisations. Donc là, il va aller chercher d'autres théoriciens. Il va chercher Simon, pour notamment sa théorie du comportement et de la rationalité limitée. Il va chercher John Williamson parce qu'il est très intéressé par cette idée de la théorie de l'information et des organisations. Il va chercher Robert Sayers et John Marsh parce que ce sont les papes à l'époque de la théorie des organisations. Oliver Williamson. Ah oui, j'ai mis John Williamson. Non, c'est Oliver Williamson. Oui, tout à fait, merci. Merci. Et en fait, il dit, moi, je m'inscris dans une théorie behavioriste de la firme. Hein. Alors, il montre bien que institutions et conflits sont liés, et il le fait dans le cadre de Anti-Equilibrium, en disant que les conflits sont inhérents aux intérêts divergents dans l'entreprise. Il dit que des compromis sont contingents. Ce qui est intéressant, c'est qu'il explique, sans trop le justifier, que c'est les managers qui vont formuler, dont le rôle va être de formuler les conflits, et c'est ça qui assure la survie de l'institution et son développement. Le développement de l'institution, c'est la motivation, il appelle ça la motivation, qui émerge des compromis. Donc c'est parce qu'il y a des conflits que sont amenés sur la table des compromis qui motivent les acteurs à faire durer l'institution. Et lorsque tout ça s'effondre, l'institution s'effondre, il était assez influencé aussi par Hirschman sur le déclin des organisations. Et un dernier point, il est fasciné par l'information, comme je l'ai dit. Il dit les compromis ont aussi un rôle informationnel, parce que il participe à ce qu'il appelle le processus de contrôle, ça tu l'as dit, Bernard, des organisations, des institutions, et il renseigne aussi sur les domaines d'acceptabilité de chaque sous-groupe, en disant voilà quel est l'ensemble des possibles, et l'inclusion des deux ensembles des possibles entre les deux négociateurs va donner le compromis qui va servir de motivation à la survie et au développement de l'institution. Vous pouvez passer à la suivante. Et enfin, on en a parlé, mais je veux revenir un peu dessus, l'approche normative et éthique, le troisième étage. Et là, je suis tout à fait en accord avec ce que dit Merdad, c'est-à-dire que ça arrive après, l'approche normative. Mais on y approche, j'y ajoute la dimension éthique et personnelle. Après 89, voilà, les institutions politiques sont les clés de voûte de l'organisation du système économique. Ça a été bien présenté par Merdad. Et c'est par exemple, il l'explicite à ce moment-là, le monopole du Parti communiste pour les économies de type soviétique, c'est la clé de voûte du système économique. C'est plus quelque chose qui vient après, mais c'est ce qui le soutient. Il dit, mais ceci dit, il y a quand même une évolution permanente, et il emploie même le terme de sélection naturelle des institutions. Ça aussi, c'est un peu curieux, surtout pour un texte qui arrive assez tardivement. Mais quand on regarde de près ce qu'il veut dire, il dit que finalement, ce qui compte dans la stabilité du système, c'est sa cohérence institutionnelle, c'est former un tout cohérent. Par exemple, le fait qu'on ait une économie centralement planifiée est, pour lui, indissociablement lié au totalitarisme. C'est-à-dire que les deux sont bloc et donc tiennent ensemble.
Et puis il propose, parce qu'on est dans les années 90, des exemples de la manière dont on peut s'y prendre pour organiser ce changement institutionnel systémique. Bon, ça va aller, c'est un peu complexe et puis un peu, peut-être un peu long, donc je ne vais pas passer trop de temps, mais vous allez quand même cliquer sur le petit lien. Ça, c'est dans la théorie de l'économie politique, où là, vous voyez quelles sont les différentes séquences qu'il propose. Hein ? Donc, on commence par la transformation de la clé de voûte, le grand 1. Ensuite, on fait les changements institutionnels, qui sont fondamentaux. Mais ici, on voit que les institutions sont devenues des institutions règles, et non plus des institutions acteurs. On améliore la capacité d'adaptation de l'offre. On contrôle la demande globale. Il y a des références à tout ce qu'il indique sur les questions de durcissement de la contrainte budgétaire des acteurs. Il y a une politique monétaire restrictive. Il ne faut pas oublier qu'il a été dans le board de la Banque centrale de Hongrie. On élimine l'économie de pénurie chronique et on atteint un nouveau, une nouvelle homéostasie, c'est-à-dire un équilibre dynamique dans lequel la pénurie a disparu. Voilà pour un exemple un peu rapide de la manière dont il propose de changements institutionnels. Donc là, on a vraiment un mode d'emploi d'une certaine manière. Hein. Et le dernier point, c'est plus sur l'éthique. Il dit, parce qu'il doute, comme on l'a vu, il doute beaucoup. Il dit finalement, le changement institutionnel pose la question de la hiérarchie des institutions, pose des questions d'ordre éthique. Et il prend l'exemple du durcissement de la discipline financière, de la contrainte budgétaire. Il dit, alors, si un arbitrage devrait être réalisé entre l'efficacité économique et la cause de la démocratie, alors la protection des institutions démocratiques représenterait l'objectif suprême. Donc là, il sort de la dimension purement positive, même de la dimension normative, où il assoit cette dimension normative sur une éthique de la démocratie. Et je trouve que ça, c'est aussi assez significatif. Et je voulais terminer sur l'approche normative sur ce point-là, parce que ça me fait le lien avec le dernier point. Et c'est un éclairage assez personnel sur Corneille, que je ne connaissais pas. Hein. C'est que les institutions sont aussi des habitudes de pensée. Et ça, c'est une vieille idée weblénienne sur les institutions. Et on a vu à quel point les habitudes de pensée de Corneille avaient changé dans sa vie. Il s'est déshabitué à penser. Il a commencé par adorer Marx, puis il a brûlé Marx, il a adoré la théorie des économies générales, puis il l'a brûlé, et puis il est devenu avocat du paradigme systémique. Il le reconnaît lui-même dans une autobiographie intellectuelle qui est d'une grande honnêteté. Et il a un intérêt pour la notion de paradigme comme institution, paradigme au sens fort, au sens de Thomas Kuhn, hein, qui montre bien qu'un paradigme, c'est aussi une habitude de penser. Il montre qu'il y a science normale avec des anomalies. Dans son anti-équilibrium, il insiste sur les anomalies et il espère pouvoir remplacer l'ancienne science normale par une nouvelle science normale qui serait le paradigme systémique, qui serait la théorie dont tu parles. Deuxième élément sur l'éthique et l'idée individuelle qui se fait des institutions, c'est qu'il a subi des conséquences personnelles sur sa carrière du fait de ses choix éthiques et scientifiques. Hein ? Mais quand même, il a une grande amertume de ne pas avoir reçu le prix Nobel. Hein ? Voilà, malgré tout. Hein, voilà. Donc, on voit qu'il a, malgré tout, il a eu des grandes déceptions. Ça a été quelqu'un qui était très reconnu, mais avec des limites sur cette reconnaissance qu'il a amèrement regrettée. Et enfin, dernier point. Moi, je trouve. Non, restez. Dernier point sur lequel je voulais dire sur les institutions dans la vie de. Il montre aussi dans Anti-Equilibrium que la modélisation mathématique et l'organisation des revues d'économie sont des institutions au sein de l'économie comme discipline. Elles sont vecteurs de la permanence de la théorie de l'équilibre général, de la théorie néoclassique, même si, dit-il, depuis la fin des années 60, c'est quand même devenu un frein au développement de la pensée économique. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et on termine en disant, qu'est-ce que c'est qu'un institutionnalisme à la Corneille ? D'abord, c'est un institutionnalisme dans la trajectoire personnelle de l'individu prédisposé à son analyse économique, enchâssé dans les institutions. Sa définition était initialement limitée, mais elle s'est élargie et s'est complétée. C'est un institutionnalisme ontologique, c'est-à-dire pas d'économie sans institution,
évolutionnaire et responsable, avec une idée d'éthique de la responsabilité de l'économiste. Et enfin, pour toutes ces raisons, c'est un legs important pour l'économie institutionnelle du changement. Merci. Un peu provocable. Donc, on a vu un peu. J'ai appris énormément aujourd'hui. Enfin, session, j'ai vraiment été une session, j'ai appris autant de mes. Il y a quand même des choses qui vont un peu. Bon, donc, il a compris quelque chose. Moi, d'autres ont compris que le capitalisme. En tout cas, que le capitalisme est jusqu'à maintenant le meilleur système qu'on ait trouvé, quoi, pour donner de la prospérité, même pour donner de l'environnement, et même ça peut donner quelque chose d'inclusif si on le fait d'une certaine façon. Que c'est un système qui marche, mais bon, si on le régule comme il faut, quoi. Voilà. Mais la chose intéressante, c'est que la Chine, comment il peut expliquer la Chine ? C'était, il y a eu le côté institutionnel, ils ont dit, voilà, il faut éliminer le Parti communiste. Mais voilà un pays, et moi j'ai des collègues, Acemoglu Robinson en One Nation's Well, quelque part ils te décrivent la Chine comme c'était la Zambie. C'est-à-dire que comme c'est un mauvais système institutionnel, il n'y a rien à en attendre. Or, si vous regardez l'innovation, tu vois que les innovations... Moi, je travaille sur l'innovation en ce moment. Je suis surpris parce que la Chine, c'est en train d'être fantastique innovateur. Tu ne regardes pas seulement des petites innovations. Alors, ils ne sont peut-être pas des innovations kuhniennes, tu vois, c'est-à-dire qui changent les paradigmes. Mais quand même, si tu regardes toutes les mesures de brevets, de brevets cités, de papiers cités, etc., le Japon baisse et la Chine monte. Et ils ont un parti communiste. Donc comment ils ont fait ? Alors moi j'ai souvent l'idée du triangle, on en parlera demain, entre entreprise, État, société civile. Eux ils n'ont pas vraiment le triangle, ils ont un autre système. Pourquoi ça marche ? Donc qu'est-ce qui là-dedans ? Voilà, la Chine c'est quand même quelque chose. Et sur Marx, j'aurais voulu dire un truc un peu provocateur. Moi j'étais marxiste et je veux dire. Et évidemment il y a des gens qui ont dit bon, voilà, j'ai réalisé que le socialisme ça ne marche pas. La théorie de la valeur travail c'est pas génial non plus, il faut bien le dire. Et donc Marx au panier. Et je pense que c'est injuste à l'égard du capital. Dans le capital, il y a trois livres. Il y a le livre 1, le livre 2, le livre 3. Le livre 1, c'est la théorie de l'exploitation. Mais ça marche très bien. Maintenant, c'est la théorie des contrats incomplets. Ça a donné le prix Nobel à Oliver Hart. Le livre 2, c'est Leontief. Et le livre 3, c'est le précurseur de Schumpeter. C'est le précurseur de la dévalorisation du capital, c'est le précurseur de la destruction du crédit. Alors, il n'avait pas vu l'importance des idées. Il n'a pas vu ce que Schumpeter a vu, c'est que ce n'est pas la quantité de travail qui compte, c'est l'idée qui compte. Et le fait que, voilà, que tu as la destruction créatrice est au cœur du processus. Lui voyait que les entreprises devaient innover pour continuer à réaliser des profits, mais qu'il y avait quand même de la destruction de capital. Il avait l'embryon du truc. Et c'est pour ça que Schumpeter disait « Marx est trop bon pour le laisser aux marxistes », parce qu'il avait très bien pigé ce qu'il pouvait faire et ce qu'il a fait du livre 3. Donc c'est intéressant, le capital, parce que ça, si tu le mets littéralement, ça marche pas. Mais en fait, ça a été extraordinairement stimulant, puisque les trois parties du capital ont produit ou des prix Nobel, ou en tout cas des pensées totalement nouvelles, alors après qui ont été élaborées. Mais comme quoi, je crois qu'il ne faut pas non plus jeter Marx par-dessus bord. Même si on le dépasse, il faut savoir l'intégrer quand même. Eh bien, j'ignorais que tu étais aussi éclectique que Corneille. Bravo. Alors, je profite, on a deux questions qui sont arrivées par SMS, et il y en a une qui est directement... lié à ce que Philippe vient de soulever. Alors j'ai deux questions, une qui s'adresse à Julien, l'autre à Philippe. Je commence par celle de Julien, puisqu'elle est liée à ce qu'on vient d'entendre. Julien Vercueil, sur quel point est-ce que Corneille influence les réformes chinoises ? Quand il aura répondu, j'ajouterai une footnote, puisque j'enseignais en Chine un peu à l'époque. Voilà. Ouais, je crois que c'est surtout sur l'idée de décentralisation des décisions. Je pense que là, il a très tôt, on l'a vu grâce à ce qui a été dit par Merdad, il a très tôt souligné l'importance de la diffusion de l'information et non pas de sa centralisation. Et on voit très bien que la stratégie de réforme dès 1979 par Deng Xiaoping, c'est ça, c'est de tester à un échelon local des institutions nouvelles, des modes d'organisation et des modes de coordination nouveaux qui vont donner une information supplémentaire au planificateur pour qu'il arrive à en tirer quelque chose qui va permettre d'améliorer le système dans son ensemble. Et ensuite, il y a un autre élément qui, à mon avis, est central. Et là, il faudrait regarder un petit peu de plus près, peut-être que Vladimir pourra me compléter, c'est qu'il y a eu
des visites. Il y a eu des visites d'économistes hongrois en Chine dès les années 70, parce que en mai 68 était mis en place le nouveau mécanisme économique de la Hongrie. Alors, jusqu'à quel point Kornay était vraiment impliqué dans ce nouveau mécanisme économique, c'est pas très clair. Mais disons que cette discussion hongroise sur comment réformer de l'intérieur le système, améliorer, limiter ses dysfonctionnements, elle l'a percolé en Chine. Je voulais compléter quelque chose. Il y a eu un des papiers que tu mentionnais tout à l'heure, Maskin et de Watripon, et ils avaient, il y avait aussi Cheng Gangzhou, et ils ont le papier sur M-Form, U-Form. En gros, vous savez, les entreprises, on peut les organiser de la manière, ce qu'on appelle la unitary form, où tu dis, je fais toute la R&D est là, toute la production est là, tout le marketing est là. Mais tu peux dire aussi, je vais organiser l'économie différemment par produit. C'est-à-dire, une entreprise, c'est plusieurs produits, et chaque division a sa. Chaque produit a son. C'est ce qu'on appelle des profit units. Et chaque profit units, elle a sa division R&D, sa division marketing, etc. Et en gros, il disait, ben, l'Union soviétique s'était organisée comme un U-form. C'est-à-dire. Et donc, dès que tu vois, tu ne coordinais pas, là, toute la R&D était là, tout le marketing était là, ce qui crée d'énormes problèmes. Mais en Chine, c'était beaucoup plus un M-form. Et donc, c'est décentralisé. Et tu voyais déjà directement au niveau des produits. Et donc, il dit, le fait que ce soit un M-form a favorisé. Ça va dans le sens de ce que tu disais. Donc, si ceux qui s'intéressent un peu à ces. Alors, une petite contribution à la réponse à la question adressée à Julien. Il se trouve que j'avais été invité à enseigner à l'université Beida de Pékin en 1991. Devinez le titre du cours. C'était les privatisations. Voilà. Et donc, j'ai constaté deux choses. La première qui est connue, c'est que les Chinois ne se pressaient pas à privatiser. Et ce que je leur racontais les confirmait un peu dans cet esprit. Mais la deuxième chose plus importante, c'est que tous les étudiants étaient au courant de l'existence et même de la théorie de Kornay jusqu'à un certain point. Et que lorsque j'étais invité au bureau central de planification de Chine, à Pékin, donc on m'a demandé ce que je pensais des privatisations, etc. Et à chaque fois, on me disait, oui, mais comparé à Kornay, qu'est-ce... Voilà. Alors, Kornay, à l'époque, était pas encore, enfin, n'était pas sur sa position définitive sur les privatisations. Peu à peu, on s'est rapproché, enfin, Kornay et moi, nous nous sommes rapprochés contre les privatisations overnight, enfin, je veux dire, du jour au lendemain. Voilà. Alors, j'ai deux autres questions. Alors, la première que j'ai reçue s'adresse à Philippe Aillon. Philippe Aillon, pouvez-vous développer, s'il vous plaît, le point abordé sur le théorème du bien-être ? Oui, alors, je crois que vous avez dit mieux que moi. Le bien-être, c'est de dire, voilà, on arrive à quelque chose qui est ce qu'on appelle Pareto optimal, c'est-à-dire où il n'est pas possible de trouver une allocation qui rend tout le monde plus content. D'accord ? Et quand tu as quelque chose comme ça, eh bien, tu as tes préférences, tu as tes lignes d'indifférence, tu as les lignes d'indifférence de l'autre, et tu as quelque chose qui est Pareto optimal. Quand tu es Pareto optimal, tu as donc la courbe d'indifférence qui touche, qui est tangente à la tienne, et donc je peux faire passer une droite, tu vois, au milieu, c'est le théorème de séparation, mais la pente de cette droite définit un prix. Et donc, quand tu pars de l'allocation optimale, ça te détermine un système de prix, tu vois, qui est en fait un système de prix d'équilibre. Donc tu peux réaliser cette allocation optimale comme provenant de ce système de prix. Et c'est comme ça que tu passes, si tu veux, d'un truc qui est d'optimalité à quelque chose qui est un équilibre général, qui est donc qui est obtenu par un certain système de prix d'équilibre. Est-ce que ce que je raconte vous fait sens pour vous ? Alors, vous comprenez comment ça ? Peut-être que la personne qui a posé... Est-ce que la personne qui a posé la question... Elle est peut-être en ligne. Ah oui, d'accord. C'est pas voilà. Dans la salle, alors. C'est ce qu'on appelle le théorème de séparation, le théorème de Hahn-Banach en maths. Mais ça, c'est des mathématiques, donc je ne vais pas rentrer dans les maths. Alors, j'ai une troisième question en ligne, après quoi on donnera la parole aux personnes présentes dans la salle. Oui, en plus, Hahn-Banach, c'est des Hongrois, en plus. Hein, donc voilà. Donc, voilà. On reste sur la Hongrie, là. Voilà. Alors, j'ai encore une question avant de donner la parole librement à la salle. Comment pouvez-vous expliquer les différences des performances économiques entre les économies principalement capitalistes et les économies principalement communistes? Comme il n'y a pas de destinataire, je considère que celui d'entre vous ou d'entre nous qui veut répondre, mais tu as déjà commencé tout à l'heure, Philippe, je pense, à répondre à cette question.
différence de performance entre les deux. Donc la Chine est un cas. Mais maintenant, la question, c'est qu'on considère que la Chine est un pays capitaliste, quoi. Mais c'est un capitalisme autoritaire, c'est un capitalisme différent de l'autre. Mais on considère que c'est quand même un système maintenant essentiellement capitaliste. Donc voilà, il a fait sa transformation autrement, il est arrivé vers autre chose. Mais moi, je ne considère pas que la Chine est un pays socialiste. Ils ont un parti, mais c'est avec un parti communiste qui domine et qui joue un peu le rôle. D'ailleurs, c'est assez curieux parce qu'ils ont, ce que tu disais, t'as de concurrence entre les régions, les gouvernements des régions. Donc la concurrence joue. Et quand il y a de la corruption, ils essaient de trouver... Parce qu'évidemment, nous, dans le système qu'on a chez nous, les médias dénoncent la corruption. Comment faire chez eux ? Et chez eux, ben, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait des policiers, des espèces de policemans qui dénoncent la corruption. Alors, est-ce que le Parti communiste joue ce rôle-là de contrôler le gouvernement ? Qu'est-ce qu'ils ont en Chine ? Alors ça, je ne connais pas bien, qui fait que tu as ce pendant-là pour réduire la corruption. Voilà. Est-ce que c'est la dualité entre les gouvernements et le parti qui joue ce rôle en ou pas ? Alors ça, je ne connais pas bien. Mais si tu veux, globalement, oui, les économies, en tout cas, centralisées, n'ont jamais réussi à aller au-delà d'un certain niveau de bien-être, différents indicateurs de développement. Ils n'ont jamais été... Alors les économies centralisées ont réussi quand même des choses, des performances en matière d'éducation pour tous, de santé. Donc il y a eu des réalisations. Mais ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, c'est que c'est des systèmes qui s'atrophient. Ils n'arrivent jamais... C'est toujours sain dans un système d'avoir des renouvellements, de ce qu'on appelle le turnover. Et c'est des systèmes qui n'ont jamais été bons pour réaliser le turnover. Donc ça crée des systèmes qui s'atrophient et qui n'arrivent plus à progresser. Quoi. Voilà. Et ça, c'était une des choses que les gens au début ont sous-estimé. Quoi. Donc, ceux qui ont cru dans le communisme, des gens très bien qui ont cru, moi mes parents y ont cru, des gens comme Hobsbawm, beaucoup de gens ont cru, mais ils n'ont jamais vu qu'il y aurait ce problème-là du renouvellement des élites. Et c'est un système qui ne sait pas. Donc ça produit quelque part une atrophie. Sauf qu'en Chine, tu as eu cette période de grande croissance. Et on tombe toujours sur l'histoire. Mais est-ce que la Chine, ce n'est pas quand même une autre forme de capitalisme ? Question. Oui. Je voulais dire en fait deux mots. Un sur la Chine. Sur la Chine, la période finale de Yanush, les trois dernières années. Il a publié un article dans Financial Times et deux articles dans Acta Economica où il a considéré qu'on a réanimé Frankenstein. Et par là, il entendait la Chine. Il accorder une place centrale à l'autocratie dans les pays de l'Est. Et il comptait avant, pour un petit peu aussi répondre à Philippe par rapport au système Yanush et le changement, il y a un papier de lui de 2000, parce qu'il a été beaucoup interrogé sur révolution et réforme, le cas chinois. Et il pensait à la transformation de parti communiste de l'intérieur, en Chine et en Vietnam. Et c'est dans ce sens-là, parce qu'il a donné toute une série de recommandations en 85 au gouvernement chinois. Et il pensait qu'il doit assumer un rôle, responsabilité intellectuelle, pour réanimer le Frankenstein. Il était très, très... Et même c'est pas parce que je veux soutenir sa position, c'est pour raconter ce qu'il défendait. Il était même pour la politique de contrôler les études chinois, des étudiants chinois aux États-Unis, sur certaines matières par rapport à la technologie. Donc, je voulais insister sur ce point parce qu'il tenait vraiment... Et il était aussi très amer par rapport au capitalisme. Il pensait qu'il avait beaucoup d'illusions. Et ça, il a dit dans son dernier papier, qui a contribué à ce numéro, par rapport à la révolution de 1956. Et ses observations, il a dit, moi je me suis trompé. J'ai compté beaucoup sur les qualités du capitalisme. Il y a des éléments. Et pour ça, il disait que pour moi, la chose la plus importante, c'est la démocratie. Et c'est par le prisme de la démocratie que j'essaye d'évaluer le capitalisme. Ça, c'est une dernière chose que je voulais dire. Ça fait vraiment plaisir que Philippe Aguillon parle avec éloge de Karl Marx et ses travaux. Franchement, ça m'a...
Non, non, non. Dire que capital numéro 1, volume 1, ça, volume 2, ça, volume 3, ça, chapeau. Mais je voulais tirer, en fait, ce qu'il vient de dire vers, pour vendre encore plus, pour donner plus de popularité à ce numéro spécial. J'ai organisé un débat entre Amartya Sen et Yanis Korhnai. Et le débat, c'est sur ça. Parce que Korhnai insistait que Karl Marx a la responsabilité morale par rapport au système socialiste, même s'il n'était personnellement du tout lié à ça, mais c'est lui qui a une responsabilité morale. Et Amartya Sen contestait cette idée de Yanis. D'accord ? Donc, je pense que Philippe Aguillon aurait toute sa place dans son numéro, ne serait-ce que pour contribuer à ce débat entre Sen et Yanis Korhnai sur ce thème, parce que c'est une question paradigmatique. La question, est-ce qu'il y a Korhnai après Marx? Il faut revisiter Karl Marx à la lumière de l'expérience soviétique. Tous les socialistes aussi ont un challenge. Qu'est-ce qu'on dit après cette expérience par rapport au système? Donc le débat est vraiment ouvert et il a une grande actualité. Je vais peut-être compléter un petit peu de mon propre point la réponse à la question sur les performances comparées des deux systèmes. Pour aller au plus simple, il y a un des deux systèmes qui s'est effondré et pas l'autre. Donc, quoi que l'on en pense, moi j'ai écrit des choses un peu critiques sur le capitalisme, parfois plus que cela, mais il tient la route à l'échelle des siècles. L'autre n'a pas tenu la route au-delà de 70 décennies. Donc ça, c'est un test de performance. Donc, la Chine est capitaliste. Oui, oui, c'est pour ça. Je partage ton point de vue. Je partage ton point de vue sur la Chine à cet égard. Alors, la deuxième chose est la suivante. C'est que pourquoi ai-je admiré le livre de Korhnai sur la pénurie ? Eh bien, parce qu'à partir de l'analyse de la pénurie, on peut montrer ce que j'ai fait dans un livre de 93, que la pénurie a un effet très délétère de diminution de la production. Quelques plans que l'on se donne, on va faire moins. On est obligé de faire moins dès lors qu'il y a de la pénurie. Et donc, en tendance, on peut montrer avec un petit modèle mathématique que ça entraîne nécessairement, à un moment donné, qui peut être assez éloigné, le passage à des taux de croissance négatifs. Et je ne connais pas d'économie qui puisse résister séculairement à des taux de croissance négatifs. Ça, c'est un peu la version théorique de ma réponse empirique précédente. Voilà. Alors, je crois que merci bien de parler dans les micros. Alors, on va essayer de faire plus attention. S'il y a des questions qui viennent directement de la salle, oui, madame, je vous en prie. Voulez-vous le micro ? Ça va, je vais parler fort. Ça va ? Oui. J'ai une remarque, question pour M. Ouali, et puis une question plus générale. On trouve chez des auteurs qui traitent de géopolitique, type Gilpin, Modelsky, tous les éléments référentiels de Korhnai, c'est-à-dire équilibre de relations internationales, équilibre homéostatique, rupture d'équilibre systémique, négociation, changement des préférences avec la question notamment référence à Hirschman aussi de la déception. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de signaux et beaucoup d'auteurs qui pointent, des signaux qui ne sont pas des moindres, on en parlait ce matin dans une autre session sur la Russie, qui pointent la guerre étant simplement un des signaux, une rupture d'équilibre global. Et une pression, j'arrive à ma question lentement, qui vient de la géopolitique, mais considérée presque comme le nomo sacré, et qui est en train de faire peser une pression, une modification sur les régimes politiques, notamment la Chine, et je suis confuse, étudiant ce pays au jour le jour, j'ai une vision beaucoup plus négative des succès économiques de la Chine, de ce qui vient d'être dit. Le constat étant fait par le régime chinois lui-même d'une perte de gain de productivité, d'une croissance appuyée sur la dette qui devient totalement ingérable et d'un pays dont on ne sait pas s'il n'est pas en train de se
d'être dans une mécanique d'attrition et un État qui est quand même très impuissant face à ça et qui donc, par la pression de la géopolitique, qui modifie le politique, qui revient à un maoïsme, enfin, tout ce que vous savez. Voilà. Donc ça, c'est ma question. Qu'est-ce qui a été dit par Corneille sur la question de la géopolitique et de l'équilibre, j'ai jamais rien trouvé, de l'équilibre global, systémique global. Et monsieur Avion, je suis assez étonnée qu'on ait, et monsieur André, qu'on ait une vision aussi optimiste, je me permets, de hâte. On n'a pas parlé de crise climatique, de crise géopolitique, de guerre, mais on est quand même avec beaucoup de grands auteurs qui posent la question d'une grande crise aussi des économies libérales, du capitalisme, de la démocratie, qui entraîne un déséquilibre du système global. Donc je suis assez étonnée qu'on ait encore cette vision un petit peu binaire de nos succès. Voilà. Je vais d'abord m'excuser auprès de vous. Ma myopie m'a trahi, Tania, et je vous ai appelé madame. Je m'en excuse. Voilà. Donc, merci pour votre question. Juste pour lever une ambiguïté, dire que des deux systèmes, il y en a un qui a survécu à l'autre, ne signifie en rien qu'il n'est pas en crise. Simplement, il n'est pas dans une crise mortelle, tandis que l'autre a vécu une crise finale. Voilà. Mais je donne la parole à des plus compétents que moi, peut-être, sur cette question. Sur le climat, quand même, je veux dire, parce que vous avez regardé sur le truc climatique. Parce qu'on a eu ce matin donc, un débat sur le climat et l'innovation. Et en fait, il y avait quelqu'un qui disait, voilà, il faudrait trouver un nouveau système. Moi, je dis, écoutez, c'est très bien, on a essayé de trouver des systèmes. Et là, vraiment, et en fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce, aujourd'hui, dedans l'autre également, parce que, voilà, Corneille, on a essayé de penser à des systèmes. Moi, j'ai cru longtemps au système socialiste. Il y avait un truc merveilleux. Mon papa avait un ami qui s'appelait Pierre Courtade. Il était correspondant de l'Humanité à Moscou. Et un jour, Pierre vient à la maison et il dit, le socialisme, quelle belle idée. Mais quel dommage que ça ne marche pas, quoi. Je trouve que cette citation est merveilleuse. Je sais, c'est exactement ça. Ça ne fonctionne pas, quoi. Alors, la question, c'est qu'effectivement, maintenant, il faut... Le système de marché, c'est le seul qui fonctionne, qui vous donne de l'île. Et il fonctionne aussi, parce qu'on a vu que sur la pollution, l'Union soviétique polluait beaucoup plus que... Donc, il faut simplement le réguler. C'est-à-dire qu'il y a une force qui est l'innovation. Et l'innovation, il faut la diriger. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'État et la société civile pour rediriger l'innovation, pour la rendre inclusive, pour qu'elle soit synonyme de qualification, pour que ça produise de la croissance pour tout le monde et de la croissance verte. Et là, il y a eh bien, le rôle de l'État, le rôle de la société civile, penser comment on peut arriver à quelque chose. On nous demande d'arrêter. Mais c'est ça la question qui se pose maintenant. Mais on peut y arriver. On n'a pas besoin de dire j'élimine l'économie de marché. C'est plutôt comment je régule l'économie de marché, qu'est-ce que je fais pour arriver à surmonter ces problèmes-là. Et l'innovation, et on sait que l'innovation verte doit être cruciale. Or, l'innovation est quand même générée par le système de marché. Mais il faut le diriger. Et comment tu fais la politique industrielle, comment tu fais la taxe carbone, comment tu fais une série de régulations pour arriver à quelque chose qui soit... Bon, les économies scandinaves donnent quand même un exemple que tu peux aller dans cette direction. Je ne dis pas qu'il faut les copier et faire de la décalcomanie, mais voilà des économies qui sont quand même très inclusives, très protectrices et qui quand même sont beaucoup plus vertes que la plupart des autres. Je crois... Alors, je vais remercier... tous les participants, et pour leur attention et pour leurs questions. Et je vous souhaite d'autres bonnes sessions dans ces journées.